Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, Bolloré rattrapé par la justice, des influenceurs reçus à l'Elysée, le grand retour de Pékin Express, l'édition des Golden Globes 2021 en virtuel. C'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. En voilà un qui ne va pas être content. Notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vient de gagner un passage obligatoire par la case prison sans toucher les 20 000 euros qui vont avec. Pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi, il est accusé d'avoir corrompu un magistrat de la Cour de cassation. Rien que ça. Le tribunal correctionnel de Paris l'a donc reconnu coupable lundi dernier de corruption et de trafic d'influence et il l'a condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. La prochaine fois, il y réfléchira peut-être à deux fois. Après Sarkozy, c'est au tour de Bolloré d'être rattrapé par la justice. Ah, les petits filous, ils pensaient qu'ils allaient y échapper. En effet, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France s'est vu mouillé dans une affaire de corruption au Togo. Pour faire simple, et parce que je vois pas comment je pourrais vous en dire plus, il a aidé le président du Togo à se faire réélire en échange d'avantages. Alors que le milliardaire pensait échapper à un procès en plaidant coupable et en payant l'amende de 375 000 euros, et bah pas de bol, le tribunal judiciaire de Paris a refusé de classer l'affaire et a demandé à ce que le milliardaire soit jugé. Autre info, Enjoy Phoenix a été invitée par Gabriel Attal à l'Elysée. Quelle petite vénarde celle-là! Elle devait parler au nom des étudiants et militer pour la réouverture des universités. Mais ça a suscité l'indignation de nombreux étudiants. Non mais imaginez un petit peu, c'est comme si moi, j'allais à l'Elysée. Non mais allô! Sur Twitter, les critiques et les insultes ont fusé. On travaille 12 heures par jour sur un écran et on doit passer nos examens en présentiel pour que Enjoy Phoenix, déscolarisé depuis 2012, parle en notre nom. Autre info croustillante, c'est le retour de Pékin Express pour le plus grand bonheur de leurs fans, comme moi. Mais vous ne serez pas au bout de vos surprises. Pour cette 14e saison, qui va connaître un changement de parcours pour sa 4e étape, le 16 mars. Pour cause, la crise du coronavirus et le confinement décrété au printemps. Fini l'Éthiopie et Dubaï, place à la Grèce et la Turquie. Et pour terminer, un petit peu de culture, ça ne fait jamais de mal à personne. Parlons des Golden Globes. Pas de paillettes ni de tapis rouge pour cette année, c'est en ligne qu'a lieu cette 78e édition. Côté série, les grands gagnants sont The Crown et Le Jeu d'Adam, qui totalise 5 récompenses à L2. Côté film, c'est avec beaucoup de surprises que Borat 2 est élu meilleur film de comédie et Nomadland, meilleur film dramatique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ma famille, mon agence, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Pardon, je délire. En attendant, on se donne rendez-vous fin avril pour la cérémonie des Oscars pour voir si les récompenses se vérifient. C'est la fin de ce numéro des 5 infos. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.